T'es chiante, hein? Ah, ben, si, je te filme en mode de dépression. T'es chiante. Tu vois, regarde tout de suite, la caméra elle est sur toi, tu es tout sourire. Hein? Hein? Voilà. Fatiguée, hein? Joël, elle est fatiguée, elle a pas dormi. J'ai envie de dormir d'ailleurs. Tu vas encore faire un bonjour, bonjour et les papoter là? Mais moi je suis une bavarde, moi. Putain, je vois ça. T'as de l'énergie. Attends, regarde mes lunettes. C'est pas la cataracte, quoi. Ah ouais, non, mais ben ouais, pourtant j'étais passée au savon hier. J'ai pas pris des verres, tu sais, auto-nettoyant. Bon, je vous dis pas bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ici, c'est la catastrophe. Ben c'est vrai, t'es en mode dépression toi ou quoi? Mais non, qu'est-ce que t'as? Elle est toute pensive, elle a le petit qui est malade, elle est pas bien jouée. C'est vrai, j'ai acheté du Doliprane. Et ben on y va, au pire des cas. Moi je vais aller acheter du Doliprane. Vas-y, pendant qu'il dort même. Ouais, je vais y aller. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée loose qui s'annonce. Non. Ben si. Mais non. Depuis tout à l'heure là, t'es au bout de ta vie. Je suis fatiguée, je suis pas au bout de ma vie, je suis fatiguée maman. Oh, j'ai pas dormi moi. Oui, je sais, t'as pas dormi. Le je petit, la bombe. J'ai les tétons, ils sont. Elle a les tétons un peu. Mais pourquoi tu filmes? Laisse-moi tranquille. Je filme pas là. Mais si, tu filmes. Bah, il faut bien filmer. Hein. Tu veux pas filmer. Donc, mais moi, tu sais que hier, Thibaut il s'est mis à pleurer, j'étais en train de filmer mon blabla. Je vais finir mon blabla en allant à la pharmacie. Eh ben justement, comme ça, tu auras un blabla en plus. Mais non. Notre ami, je suis en train de m'endormir sur la table. Eh ben justement, il voit comme ça que t'es fatiguée. Non. Bon, franchement, moi, je vais vous dire. Joël, elle a pas dormi. Le petit, il a vomi cette nuit. Moi, ça va, moi, j'ai bien dormi. J'étais dans son lit. En plus, moi, je suis dans son lit. Le lit, c'est pas un problème, ça. Moi, je suis jeune, je dors partout. Et si j'ai pas un truc accroché au bout de mon sein, ça marche ou pas, ces trucs-là? Franchement, on va dire... Non, on va dire que c'est nettement mieux. Donc, du coup, ben, on devait aller à la mer aujourd'hui, mais comme le petit, il est malade, ben, on va pas y aller. On est dans la merde. Voilà. On voulait faire un meal prep gâteau sucré, mais... comme on a pris, enfin, moi j'ai pris un kilo cinq, et que Je ne suis pas pesée, mais les croissants ce matin, à mon avis, ils ont été fatales. Bon, voilà, eux ils ont mangé des croissants ce matin, et puis moi j'ai eu droit à ma pizza, parce que moi je suis plutôt salée le matin. Je suis plutôt, quand je suis dans le sud, je préfère une pizza bien grasse. Je vais à la pharmacie. Bon, moi je vais acheter du Doliprane au petit. Ouais. Tu as besoin de quelque chose? Une pince à épiler digne de ce nom. Donc, je continue. Donc, du coup, Joël, elle n'a pas dormi cette nuit. On devait aller faire un pique-nique, aller dans un parc, et puis l'après-midi, faire un tour au bord de mer. On aurait pu vous filmer quelques images et tout. Et du coup, ben, on l'a pas fait parce que comme le petit l'a vomi, il a été malade toute la nuit, ben, on s'est dit que ça sert à rien de partir. Bon, autant vous dire que lundi et mardi, on a eu un temps pourri, hein, il a grêlé. Je crois qu'elle a filmé quelques images, Joël. Quoi? T'étais déjà revenue? Ouais, t'as vu, j'ai buzzé rapide. Non, je cherche une porte ouverte. Ouais. Tu parles de moi ou quoi? Qu'est-ce que... Bah oui, je parle de toi, je te critiquais. Donc, mais non, mon frère. Donc j'arrête. Dis, hé, je la critiquais. Elle a dit, bon ben maman, elle a envie de dormir, hein, donc elle a pas fait la sieste, elle a mal à la tête. Et du coup... J'ai pas mal à la tête. Oh mais l'autre, mais comment toi t'es une mytho, t'es menthe. Oh, t'aurais pas... Toi t'es une menthe, j'ai pas dit ça. Hein. Tu vas voir, en plus maman, c'est filmé. Ben oui, il y en a un chacune. Quoi? Non mais je suis sourde, hein. Si tu chuchotes, j'entends rien. Hein. J'entends pas. T'entends pas? Là oui. Alors, ben parle ou tais-toi. Quoi? Oui, c'est ça, et ta connerie. Elle me prend pour une bête, c'est ça. Je vais me fâcher, tu vas voir. Donc voilà, je sais plus. Donc du coup, on a changé nos plans.
non seulement on va pas faire le pique-nique parce que ben il fait pas assez beau, on n'ira pas à la mer, on n'ira pas aussi à la Probranche, donc on va rester à la maison. Les hommes se sont mis sur leur chantier là, sur leur mur, donc en plus on va leur faire à manger. Et puis voilà, j'ai pas fait les gâteaux, donc pas de mille crêpes non plus. Pourquoi? Ferme la porte, s'il te plaît. Tu me bloqueras. Donc j'ai pas fait le mille crêpes non plus, du coup, parce qu'on veut pas prendre 10 kilos. Et puis voilà. Mamie, est-ce que tu veux bien nous aider à l'hôpital? J'en ai jamais mangé. Moi, tu veux ça se recommande, ça se dévisse ou quel? Mais j'ai trop de force en vérité. Hein. C'est par contre, tiens, garde le bouchon. J'avais pas compris, tiens. Si tu veux le remettre. Chacun le sait. Ouais. Donc, du coup, ben voilà, je vais plier du linge. Comme ça, ben, ça va m'occuper. Et puis, le bébé dort, faites pas de bruit. Parce que déjà, il est fatigué. Maman, elle m'a dit oui. Ta mère t'a dit oui. Ok. Donc voilà, alors peut-être je vous reprendrai un tout petit peu plus tard, peut-être pas, mais c'était pour vous donner des nouvelles et du coup ben, vous dire qu'il n'y aura pas tant de vidéos que ça parce que voilà, parce que ben, des fois on prévoit des choses et puis on fait autrement, hein. Donc c'est la vie, hein. Et puis ben, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour d'autres aventures. Ben, je pense que cet après-midi, on va quand même aller promener les chiens ou voilà, on va quand même faire une balade avec les enfants. Mais rien de fou, quoi. Donc voilà, je vous laisse, à tout à l'heure. De quoi? Je vous reprends. Je suis pas contre-jour, là. Le contre-jour, c'est quand tu as la lumière dans ton dos. Si tu as la lumière dans ta face, t'es pas contre-jour. Ah ouais, mais moi, ça me gêne d'avoir la lumière en face. Est-ce que tu vois pas l'écran? Je vois pas. Mais c'est soit tu vois garder. Ah ben ouais. Ah ben ouais, mais moi j'aime bien. C'est soit toi tu te vois, soit eux ils te voient. Eh, regarde. Oui, mais d'après, j'étais ta nettoyeuse de lunettes ou quoi? Non, mais t'as fait la propre. Ce matin, ça, non, hein. Tu me l'as fait ce matin, le nettoyage de lunettes. Ouais. Il se salisse vite, mes verres. Vas-y, donne, je te les nettoie. Franchement, j'ai ça. Oh, attends, je vais chercher un truc, tu vas kiffer. À chaque fois, elle me dit ça et j'y vois pas plus après. Hein. Bon, dépêche-toi. Hein. Alors là, quand même, et quand même, je tiens à préciser qu'elle fait deux choses à la fois. Elle a déjà fait cramer une crêpe pour le chien. Et là, franchement, là, c'est oh, putain, merde. Oh non. Bah, écoute aussi. Ouais, mais c'est toi, là. Tu me déconcentres. Putain, fais chier. Ah, elle dit des gros mots, pire que moi. Hein. Non mais maman, abusé quoi. Tu pouvais pas. Toi t'es là, oh, c'est grave. C'est vraiment une garce. Regardez-moi ça. C'est toi qui manges les crêpes cramées, je m'en fous, c'est pour toi. Regardez-moi ça. Moi je suis gentille, je tiens, c'est ton truc pour tes lunettes et tout. Mais baisse le feu aussi, c'est quoi ça? Moi je suis pas. C'est toi, c'est je toi. C'est tout est de ta faute. Je peux pas me filmer, cuisiner et faire mes lunettes. Pousse-toi, je vais te cramer le bras sinon. Donc voilà comment on traite sa fille, quoi. Non, ouais, le lapsus, t'as vu le lapsus que t'as non, fait? Non, ça il faut couper. Ça dépend, c'est moi qui fais ton montage ou tu vas faire? Ah bah non, je vais le faire. C'est une catastrophe en fait. Donc voilà. Doudou fait la sieste. Enfin, je cherche. Hop, chat, il est malade. Ouais, enfin quand même. Hein. Malade, non, voilà. Bon. Non, il est malade, il est pas bien, Doudou. J'espère que ça va aller. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Faut que je mais tu n'avais pas un rendez-vous chez le pédiatre? Ben si, mais il faut que je regarde. Il est loin, il est trop loin. Je sais pas. Bon, c'est long, hein. Ta crêpe, par contre. Oh, mais toi, attends, tiens-moi ça. Ouais. Mais tu sais que tu vas casser ta plaque à force de faire ça comme ça. Celle, il déteste cette plaque. Je crois que la prochaine fois que la prochaine cuisine, je crois que tu n'auras pas ça. Pourquoi il déteste? Oh, c'est pas la spécialiste des crêpes. Oh, fais gaffe. Oh, putain. Je me suis proposé de les faire, t'as pas voulu. Hein. Mais je sais très bien. Et puis là, il faut que je fasse gaffe parce que je bidonne. Franchement, si j'étais toi, je ferais pas ma manie.
Pourquoi? Parce que sinon je vais te les faire faire les crêpes et je vais venir te parler pendant que tu fais les crêpes. Tu me déconcentres. C'est un handicap. Je suis désolée. Non, mais... non, toutes seules, regardez, première, elles sont nickel. J'ai même fait ma belle dans ma vidéo, genre ouais, moi la première, même la première, j'arrête pas. Vas-y, l'autre elle a tout cramé. La daronne, elle a débarqué. Non, non mais. Quoi? C'est vrai? Elles sont pas bien. Notez la blondeur. Putain, maman, elle est tout seule. Allez, tiens, casse-toi avec ta minute, tu m'as saoulée. Bon, voilà. Le pire, c'est que ça te fait rire. Franchement, ah ben, je suis grave, oh là là. Avec Joël, c'est toujours comme ça. Hein. On a distrait, un rien à distrait. Tu vois, elle est cramée. Non, franchement, ça va, t'as de la chance, parce que sinon, c'est toi qui bouffes les cramées. Hein. Mais moi j'en mange pas de crêpes. Ouais, c'est ça. J'aime pas. Fais pas style. Parce qu'elle fait style. Ah, moi je suis rigide. Non, j'en mange pas, j'aime pas. Ouais. J'aime pas les crêpes. Je vais te mettre le péternote là, je sais pas quoi là. Je vais manger. Le beurre de cacahuète, je te le mets directement comme j'adore ça. J'adore le beurre. Bah ouais, je sais. Mais pas sur les crêpes. À la petite cuillère. Je vais me goûter une petite cuillère. Ah non? Et ton régime? En vacances, on fait pas de régime. Ah d'accord. Okay. C'est la règle numéro 1. Ne pas se priver quand on est en vacances. C'est fini. Bon, alors je vais tester. C'est celle de Lidl? Non. Non. C'est pas celle de Lidl. Je sais d'où ça vient. Non, c'est pas celle de Lidl. Et il y en a pas dans mon Lidl. Tu vois? On regarde toutes les. Attends, non. Faut revenir. Ah ouais? Ah, mais moi je suis prête. Pendant ce temps, la crêpe brûle. Non. Mais. C'est normal. Non, non. Regarde comme elles sont belles, arrête. On dirait des blés tellement qu'elles sont blondes. Putain, ouais, elle a même pas fait cramer la... Je suis mauvaise langue, elle a même pas fait cramer la crêpe. T'as vu? Mais ça me saurait tarder. Je vais la déconcentrer. Non, il y en a qu'une qui est cramée et j'ai mis au fond. Comme ça, le petit crevard qui va falloir manger la dernière. Et bon. Ben, il aura la cramée. Vas-y, fais goûter. Juste une, hein. Je vais te dire s'il est bon ou pas. En tous les cas, il me paraît bizarre. Il n'est pas pétissant. Il n'y a pas des morceaux. Moi, celui que je prends, il y a des morceaux. Il est peut-être un peu vieux aussi. Arrête. Tu vois, bon, il y a une date de péremption sur ça. On va tester. Mais attends, d'abord, je veux goûter. Mais attends, je ne veux pas t'empoisonner. On est en quel mois? Mai. En quelle année? 21. Non, c'est bon. Février, septembre. Ouais, vas-y, bon, septembre. On rigole. Mais il y a des morceaux. Oh. Bon, je sais pas ce que je filme. C'est pas bon. C'est pas celui que j'aime. J'en ai un autre. Non, mais ça va aller. Il est pas assez salé celui-là. Moi j'aime bien celui qui est sucré salé. Celui-là est trop sucré. Ah, celui-là il m'a l'air bien meilleur. Mais t'as raté toute la cuillère. Non, ouais, c'est pas vrai que là. Moins sucré, plus de frais. C'est bon. Hein. Pendant ça, la crêpe brûle. Non, même pas. Je sais pas comment elle a fait pour pas. Non, ça va. Je sais pas comment t'as fait pour pas cramer ta crêpe. Non, mais je suis une con, moi, d'accord. Ouais, je vois ça. Pendant ce temps. Et ça, tu veux goûter ou pas? Quoi? Ça. Vas-y. Ben non. Attends. C'est quoi, ça? Pistache. Attends, je ferme les yeux. Je ne sais pas. Ah ouais, on aurait dû faire ça aussi. Ouais. Une dégustation à l'aveugle. Là, je te dis pas, là, les calories, c'est que lui et tout ça. C'est bon. Hein. Pas mal, hein. La crêpe.
N'empêche. N'empêche, tu gères. Le chrono, il est là. Une petite cuillère. Franchement, elle gère, parce que là, je... Même moi, j'oublie. J'ai une perpille. Ah ouais, un petit sirop d'orgeat. Du sucre et toujours du sucre. Du sucre et du gras. C'est le régime 100%. Alors, pour mon jeûne intermittent ce matin, j'ai mangé une pizza à 9h. Ouais. Ah ouais. À midi. À midi, salade. Salade avec un œuf poché, qui était bien poché, plus dur que poché. Non, il était poché. Bon. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais, Lina? Tu mets de la crème partout. Des spaghettis bolognaise, parce qu'il restait un fond de spaghettis. Et les garçons, ils ont fini le poulet basket. Ils ont fini le poulet basket. Avec quoi, Joël? Quoi? Avec où? Avec de la purée, fait maison. Ouais, avec une purée de maison. Qu'est-ce que tu mets? Rien. Fais tes crêpes. Donc voilà. Les boys, ils sont en train de faire nos murs. Les hommes sont en train de bricoler. Et du coup, ben nous, on... Voilà. Comme Thibaut est malade, on a préféré rester à la maison aujourd'hui pour pas qu'il rattrape froid parce qu'il y a du vent dehors. Il fait bon, mais il y a du vent. Ah oui, c'est grave bon. Ouais. Donc voilà, et puis demain, j'espère qu'il va être en forme. Comme ça, demain, on fera un pique-nique. Hein. Un pique-nique? Un pique-nique. C'est pas un pique-nique, c'est un pique-nique. Ouais. Bon. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je suis trop fort. Donc voilà ce que ça donne quand Joël a fait des crêpes. Ça crame pas. Oh. Je sais pas comment tu fais pour pas les cramer, hein, franchement. J'ai un gros de mettre, regarde. Oh, t'as déjà fini. Oh. Et ça, tu l'as pas ça. Pile la bonne quantité. Non. C'est. Donc voilà. Bon, sur ce petit passage crêpe, ben voilà, on fait rien de plus, à part qu'on se filme, on fait rien de plus que... Olé. Un joueur. À part qu'on filme, on fait rien de plus qu'ailleurs, on fait des crêpes, après-midi crêpes, petit goûter. Bah ça fait chier quoi, on aurait bien aimé aller promener. Bon, on ira en demain. Plus, j'ai appelé un parc là pas loin, ils ont dit qu'il avait la Provenche, ça a réouvert. Les filles, elles auraient été contentes. Bon, on va y aller demain ou vendredi. De toute façon, la priorité bébé. Priorité bébé. Ça fait chier. Donc voilà, du coup, ben, on coupole. Et puis, voilà, je vous laisse sur cette... J'ai fini. T'as fini? Bon, on va faire une dégustation crêpe. Donc du coup, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine niveau. Non. Une prochaine. Elle a pas vu, je vous jure, que de l'orgeat. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.